Bonjour la famille, c'est toujours Guilmas, chronique du Net TV. Les gens ont beaucoup parlé de Fally à Brazzaville. Beaucoup de femmes m'ont appelé, on a communiqué, j'ai vraiment partagé avec beaucoup de femmes brazzavilloises et je suis obligé à faire une émission à concernant la communication, la promotion et le marketing de Fally Ipupa à Brazza, surtout quand il s'agissait du concert au stade Massamba Déba. Qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de gens qui disent aujourd'hui que comme Fally avait rempli le stade des Martyrs, plus de 80 000 personnes, Massamba Déba, comme c'est un petit stade par rapport au stade des Martyrs, Fally devrait retourner, devait vraiment remplir le stade ici, même donc overflow. Remplir ça jusqu'au dernier, au dernier niveau, au dernier degré. Mais ça n'a pas été le cas. Les gens disent que c'est faute de la communication. Fally a négligé la communication puisque il était sûr de lui-même. Mais moi, je vais vous donner une autre réalité que vous ne comprenez pas. Mais avant que j'entre dans le détail de cette vérité que je vais vous révéler dans la vidéo ici, je vous prie à partager la vidéo ici, à commenter. Si vous avez des commentaires, si vraiment vous aimez la vidéo ici, soit dès le commencement, mettez les j'aime pour donner la force à la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, il est temps à passer à l'abonnement et activer la cloche des notifications pour que vous soyez servi dès que je télécharge la vidéo. Alors, on entre à. Dans la matière, beaucoup de gens, soit je dirais, la majorité des gens ne comprennent, ne savent pas que la force de Fally Ipupa est dans Keïna Ipupa. Keïna, c'est la force de Fally Ipupa. Regardez maintenant la communication que Fally Ipupa nous a donnée une semaine avant le concert. Quand Fally Ipupa nous a montré que il s'est débarrassé de sa fille physiquement. Ça a créé débat. Beaucoup de femmes n'ont pas été contentes. Beaucoup de parents ont perdu la confiance qu'ils avaient à Fally Ipupa vis-à-vis de cet acte de communication publique avant son concert. Les gens se posent des questions. Est-ce que Fally peut être vraiment un modèle? Est-ce que Fally est vraiment un père modèle? Si il se comporte ainsi en public, un monsieur qui est capable de déstabiliser sa fille, soit de combattre sa fille directement à la télévision, est-ce que c'est un monsieur qui est vraiment modèle à suivre? Si vous voyez bien, à partir de ce moment-là, les gens ont commencé à perdre le goût d'aller au concert de Fally Ipupa. Ce sont des réalités que vous ne comprenez pas. La force de Fally Ipupa réside à Keïna Ipupa. Sans Keïna Ipupa, Fally ne sera pas Fally. Ce sont des réalités. Regardez quand Fally a commencé à chérir Keïna Ipupa sur les réseaux sociaux. Fally est parti à flèche montante. Avant, quand les tocos sont commencés, on a vu Fally avec Keïna, Fally avec, il fait ceci, Fally achète la montre à Keïna. Toutes les choses étaient en rose avec Fally Ipupa. Regardez maintenant quand il crée une séparation physique. Une séparation physique en enlevant les notes, même si l'amour paternel est éternel. Je vais parler seulement des choses physiques qu'on voit. Il a coupé les cordons physiques avec sa fille. Les gens, il a retiré l'affection que les gens avaient envers lui. Aujourd'hui, surtout ça, comment on a ce qu'a conseillé à Fally et Simité Batoubayété. Si Fally faisait le truc là 3 semaines, 1 mois avant, je vous jure que Fally aurait les pires. Même peut-être les stades ne pourraient même pas faire moitié.
puisque batoué belé bazala qui dessine un comportement ya fali. Un monsieur qui se fait comme un, qui se fait passer comme un modèle, un monsieur qui se fait passer comme figure publique, mais pendant ce temps il dénigre sa fille à public. Il n'est pas capable de protéger sa famille. Il n'est pas capable de prendre sa famille à charge. Il n'est pas capable de défendre sa propre famille. Et c'est la personne-là qui est Bozako Benga modèle. Ba question, ba tu ebele, ba za komitouna. Ba tu ebele, ba benga ki koutouna, ba Congo kuna, bo kende konser wanate. Une autre chose, deuxième révélation, délire yaba Congolais à Kini, na délire yaba Congolais à Brazza, est tellement différent. On est tous des Congolais, mais avec des mentalités différentes. Congolais à Kini, c'est un Congolais qui n'est pas, qui n'a pas de conscience presque. C'est un Congolais qui ne réfléchit pas des fois avant de faire les choses. Congolais à qui on peut le dire que Bakobo Mayo wana soko ki wana kokufa. Lui, comme il est bourré de fanatisme, vraiment un fanatique abruti, aliéné, à kokendeka ka poa kufa. Mais les Brazzavillois, ils ont vu Makamboleka qui na stade ya fali poupa. Ils ont vu des morts. Ils ont vu des sacrifices na stade ya fali poupa. Yango monisika na ndenge ya Brazza stade ya muke wana stade ya muke me fali na pa été capable ya kotondi sango. Pourquoi? Parce que bato bazaki déjà averti baby ke fali aza capable ya ko sopa makila, fali le capable ya ko sacrifier, fali le capable ya ko sala tout juste pour na succès na ye. Et puis na conférence de presse wana fali était déjà arrogant, il était dans l'arrogance. Il se croyait que lui, il ne peut même pas rater. Mais on lui avait dit, depuis qu'il a commencé à maltraiter sa fille publiquement, sans prendre conscience qu'il est papa, qu'il est responsable, c'est lui qui est le protecteur de ses enfants. Fallait qu'il commence à chuter libre. Il est devenu comme un Nebuchadnezzar, un roi qui est devenu fou. Je vous avais dit que Fallait, c'est un homme qui meurt, qui est peiné, c'est un homme qui est frustré, c'est un homme qui pleure, qui saigne. Après ça, c'est moi, Nanaï. Et puis, c'est lui-même. Il fait le malin comme si il manque ses enfants. Et puis, il retourne encore lui-même, tellement qu'il est démon, il est sataniste. Il se retourne encore pour déstabiliser ses propres enfants. Et puis, quand il vient devant les gens, ton corps, c'est toujours net dans un film. Et puis, il y a des gens qui ne sont pas intelligents. C'est eux qui sont en train d'acclamer. Pendant qu'un monsieur, soi-disant leader d'opinion, un père, il est en train de jeter les enfants en route. Il est en train de démoraliser ses propres enfants. Et puis, les gens, il y a les femmes qui sont intelligentes, les parents qui sont intelligentes, qui ne vont pas vraiment se contenir dans de tels comportements. Il n'y a que les femmes là qui ne sont que des femmes dévergondées, des femmes qui sont grandies sans parents, des femmes qui sont grandies dans la rue, dans des rues, comme Chantal Bomolo, comme des mamans Mapasa, sont des femmes là qui sont contentes. Mais les femmes qui sont passées dans une éducation familiale normale, quand ils voient les comportements de Fali, c'est tellement dégueulasse. C'est dégoûtant. Même si tu n'as pas besoin de tes enfants, il ne faut pas afficher ces comportements-là sur les écrans de la télévision. C'est impossible. Il y a beaucoup, Fali n'est pas le seul. Il y en a beaucoup de Fali au monde qui ne veulent même pas sentir leurs enfants. Mais il ne faut pas les faire publiquement. Mais dans le cas, c'est que je n'aime pas ces enfants. Mais quand ils sont devant le public, les gens savent que ces affaires-là sont les affaires de la personne-là. Mais bah, se contenir. Et mais c'est comme Koffi Olomide. Pourquoi les gens aiment Koffi Olomide? Malgré ma délire, naïe, mais il sait que à cette heure-ci, je suis un artiste et musicien. Je suis un papa. Combien de fois finga bana ya Koffi Olomide? Mais quand il passe à la télévision, même si les affaires s'attaquent à Koffi, il passe à la télévision, qu'est-ce qu'il fait? Ce sont mes affaires, mes affaires adorées.
Il jette des fleurs à ses enfants. C'est ça un papa. C'est ça un papa. Malgré les délires naïfs. Mais quand il s'agit de la famille, il enlève la casquette des musiciens, il devient père. C'est ça Kofi Olomide. Kofi, il sait comment gérer la situation. Quand il est musicien, il sait comment faire la musique. S'il veut faire de l'aventure, il sait comment s'aventurer. Mais quand il s'agit de la responsabilité protectionnelle des papas vers les enfants, il porte la casquette des pères. C'est ça Kofi Olomide. Ba maman ya braza, na comprend nangabino. C'est normal. Sauf, bopé sa sika éducation au bozanango, la façon de voir les choses à nos femmes congolaises de Kinshasa. Les femmes comme Manuela Kitoko, des femmes comme Karine Mokonzi, des femmes comme Mama Kongo. Donner des conseils des femmes pareilles, de Chantal Bol. Ce sont des femmes qui ont besoin d'une rééducation. Ils ont besoin de la réhabilitation. Et elles ont besoin de conseils. Vous, les mamans de Brazza, prodiguez de bons conseils aux mamans congolaises qui sont là dans la diaspora, qui ne comprennent pas, qui ne savent rien de tout. Et ça va faire du bien au Congo Kinshasa également. Puisque je suis ému. Avec vos messages, avec vos appels, Erboza Kobenga, Bozo Solola, Ozo sentir que Mama Oyo, Azo sentir paix, Azako finga pe banane, yanana kechapete, Bazo finga bangote, mais Bazako se tia nakati ya po, d'une femme, Bazako tiana nakati ya po ya ba papa, Erbozako Solola. D'une façon ou d'une autre, Bozako édiquer pe biso, Erboza Kobenga kabo lobi bo sololi, vous nous édiquez aussi également. Je suis fier de vos appels. Je suis ému dans ma message Nabino. Ça m'a éduqué également. C'est comme ça que les Bibatubazako se construit. C'est comme ça qu'on grandit. C'est comme ça qu'on devient sage. À partir de vos conseils, ça m'aide à grandir. Demain, j'ai un enfant. Demain, mon enfant va grandir. Je vais l'éduquer, je vais l'instruire avec vos conseils. Ça va bien. Mais qui peut dire ça, qui peut produire de tels conseils à Fally Ipupa? Un homme qui est devenu comme qui? Fally Ipupa. Mobutu était milliardaire. Il n'est pas là aujourd'hui. Michael Jackson, milliardaire. Il n'est pas là aujourd'hui. Tu n'es pas plus beau que eux, tu n'es pas meilleur que eux, mais ils ne sont pas là. Ouvre tes yeux. Tes affaires te regardent, la population te regarde, tout le monde te regarde. Un leader d'opinion doit être exemplaire. Un jour des questions comme ça pourra te faire mal devant les caméras. Il n'est jamais trop tard, Fally. Il n'est jamais trop tard. Prends tes responsabilités. Tu n'es pas plus tard que Kofi Olomide. Tu n'es pas plus star que Kanye West. Tu n'es pas plus star que Puff Daddy. Tu n'es pas. Et puis, de temps en temps, tu vas aux toilettes également. Tu es humain. Tu es humain. Prends ton temps de te contenir, de te ressaisir. Fais la rétrospection de ta vie et tu vas te retrouver. Je vous aime trop. Bye.